Haïti Frem Samuel, comment nous y est? Bienvenue sur TV Lakay Haïti.com. Jeudi, c'est mercredi. Est-ce que c'est ça? Non, jeudi, c'est jeudi, voilà. Oh, mais c'est même ça, oui, mes amis. Jeudi 23 mai 2024, mesdames et messieurs, nous comptons avec vous pour nous continuer à informer. Et sur Chanel Pola, Chanel Information, TV Lakay Haïti.com, pas gain 2 ni 3, sont seuls là. Oui, TV Lakay. Eh bien, dans le moment où on a parlé là, il faut que nous disions, mesdames et messieurs, causer ou commencer à prendre la rue. DGPNH là, France LB, en pile chef gang cap avili DG Police là, il pa jam pren position pour le défendre tête li, ça montre clair que DG Police là, monsieur nan tete langue ak bandi. Dans vidéo ça, nous pral invité au tande et Lionel Laza, et bien qui sont un membre syndicat Sinapoa, et que nous pral faire au tande là, qui pral parler ak pays. Et monsieur pral font passer pran et Jean-Michel Lapin qui c'est ancien premier ministre pays a vaurien li fait on l'année premier ministre li pas réglé rien et jodi a la parézé dans toute radio et bien comme quoi li pas envie vinn premier ministre pays a et bien pral saisi tande comment Lionel Laza pral démentibilé ancien premier ministre et Jean-Michel Lapin gagné tout mesdames et messieurs Joseph Dieunor Alexandre qui c'est et secrétaire exécutif association militaire d'Haïti et même se sorti dans silence ce matin là et teke green les États-Unis à Canada la France et même force Kenya ça parce que son humiliation pour un pays gen l'armée quel que soit agence ça ya nous gen l'armée nous gen pas gon l'armée même la République dominicaine nous pas gon l'armée tête chargée mais si toutefois qui ont mette l'armée à au service mesdames et messieurs nèg yo t'a bay résultat parce que grand pile nèg qui gen volonté et ben monsieur sorti dans silence li matin là mais côté li fait on historicité l'armée d'Haïti mesdames et messieurs côté li a bay en pile gros révélation qui en pile moun pat gen cran pour parler et ben matin citoyen ça pas mettre de l'eau dans bouche li et ben pour parler causer et nous pral inviter ou entendre plus détails dans vidéo ça déblozay escombrit massacre bandi dans Gressier bagay yo grave et dans moment n'a parler là faut que nous dou moun Gressier c'est deux men en tête yo rete moun Gressier a pas crié moun Gressier a brelé parce que nèg exam envahi Gressier et ça autendé assez gros et déblozay qui gagne dans commune Gressier mesdames et messieurs bagay yo grave nous pral inviter au détail au sous TV Lakay bonne écoute tout le monde n'a tourné. Oui, alors tu attendez en tout cas mise en contexte là débat t'a fait là sur question venir force là sur question tout moyen effectif qui t'a droit bail avec force sécurité yo. Donc on t'a gain qui ça comme comme commentaire. Bon, juste avant que moi rentre dans question commentaire alors débat que nous t'a fait sur ensemble de problèmes qui gain surtout au niveau de la police nationale d'Haïti, mais l'estime que font y parler sous yon culte hebdomadaire ou sort là qui gagne différents points la donne de ancien premier ministre Jean-Michel Lapin. Et des fois qui fait mon saisie raison c'est parce que m'a demandé est-ce que les mouns ont dirigé est-ce que le premier ministre Lapin le premier ministre l'idée ça au pot convenir dans tête li appel te chef CSPN nan a yo te fait pour yo te permettre que conseil de bagaille qui pas privé jodi a de dirigeant ici les yo nan pouvoir yo avec yo soud yo pa wè yo pa ka ekri donc même les bagaille devant yo bébé yo pa ka parler yo pa ka fan rien. C'est bien dommage, c'est après leur fin quitté. Il a proposé, il a fait tout un série de bagailles qui donc ça avait montré à clair que quel que soit mon monde qui a dirigé, qui n'en pense là, il n'y a pas gagné volonté pour le permettre de résoudre un série de bagailles. Moi-même, ouvertement, et conseil de responsable. Qui était responsable CSPN, qui était chef CSPN, pour qu'il s'appelle le chef CSPN, il va proposer au président, au gouvernement, un bagaille. Si on te propose un bagaille, venez avec publiquement l'être tout le monde après que, mais qui t'a ancien tel premier ministre te proposé, il te résout le problème d'insécurité. Et pas pendant la ville, Mangomé là, tout n'est pas tête, tout n'est pas sorti, non,
tout nèg a sorti et proposition pour dire que mais qui ça pour faire pour résoudre insécurité. OK, et même tantôt avec on qui était la police on a peut-être la peut-être par rapport avec problème insécurité rien en dans PP même pas ça yo nous quand dans ces peuple là et non bêtise faut que mes responsabilités bref et donc pour nous arriver dans ce débat que nous avons fait là c'est que pour la police alors Lazare on a rappelé Jean-Michel Lapin est premier ministre 21 mars 2019, 4 mars 2020. Donc, un an comme Premier ministre. Allez. Non, mais, guerrier, un an comme Premier ministre, ou quand on fait un paquet de bagailles. Donc, même si. Non, son rappel me fait pour vous, sur date et combien de temps il gagne. C'est juste pour montrer que, conseil de bagailles, nous pas d'accord pour nous, dans mon conseil de monde qui t'a dirigé. PIA parce que yo contribué tout dans ça parce que yo pas dit en fait rien pour te mettre et sécurité PIA en premier yo te mettre chaque gouvernement qui t'est venu dans PIA là yo te dit que question insécurité a c'est lui qui primordial pour nous c'est lui même pour nous résoudre donc mon garantie et nous pas d'appel association militaire d'Haïti justement que nous gagne avec nous en ligne nous va faire petit parler ça avec lui major nous exprimer nous content gagne où alors n'a pas garder question là et c'est sous ça nous entrer avec ou sous sujet ça n'a pas garder l'armée qui ça Haïti représenter l'armée c'est Mac Fabrique nous sous parler d'Haïti ou pas parler de l'armée c'est comme sous un bagage qu'on pas dit c'est ça nous comprendre nous même pour bataille que nous menons pour nous prendre indépendance nous pour gros puissance militaire dans moment et nous t'a fait une discussion ça si nous bat numéro 1 c'est que c'est nous vinn baser mon numéro 1 jodi a pour n'a parler de monde qui prétendent que vous voulez aider nous jodi a l'armée pas sous table là qui gens ou même comme major ou a garder question ça ou a garder ça qui a déroulé discussion yo bon alors une première bagarre pour me dire c'est que en fait, tout militaire, que c'est officier, que c'est sous-officier ou bien soldat qui, en fait, qui pétrit de formation de mystique militaire, nous vivons très mal la situation ça parce que vous comprenez depuis 6 juillet 2018, situation que vous mettez pays à la donne, c'est une situation presque de guerre. Et en tant que militaire, c'est rôle pas nous, c'est rôle pas institution militaire là. Alors institution elle-même est composée d'hommes et de femmes. Donc c'est rôle pas l'armée pour jouer. En fait, disons c'est une mission que bah l'armée. Et c'est assurer lui que les frontières aériennes, terrestres et maritimes sont étanches. Et une fois que frontières aériennes donc la sécurité, la gestion de la sécurité intérieure, il va être assuré facilement par la police parce que si l'armée n'a pas fait rôle, pas joué rôle par lui, pas dans qui n'a la police à faire. Et c'est probablement moi, je suis dans la frustration, nous, je n'ai pas l'air. Et tellement, il est large, il est tellement, il a dit profonde. Des profondes. C'est des questions qui lient avec et fondamentales nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une question qu'on a posée en termes de monde qui voulait aider, monde qui ne voulait pas aider. C'est ça, mais dans le langage blanc, c'est des missions régaliennes. Ça veut dire des missions régaliennes. C'est des choses qui concernent nous-mêmes personnellement. Et nous n'avons pas quitté ça dans le monde. Nous n'avons pas besoin d'aucun monde, d'aucun pays. Que ce soit sous quelque dénomination, que ce soit ami ou bien voisin ou bien proche, qui pour dire ou pour la mère. C'est pas moi qui boit tout ça. Non, mais définitivement. Je pense que, évidemment, on a connu des périodes un petit peu sombres dans l'histoire et dans le parcours de ce pays, mais sauf que, quantité, je vous dis à l'air, quantité de travail que nous faisons, que ce soit au niveau, on va dire, national, que ce soit au niveau régional, que ce soit même au niveau en termes
de gens nous rebattre quatre là un certain moment de la durée on a Haïti a contribué à s'en rené redessiner la carte économique même du monde nous rebattre quatre là ça les travaille oui justement c'est vrai mais je dis là vous suivez micro vérité travail qui pas fait là évidemment on doit le reprocher en quel tout le monde qui peut participer dans ça que fait là on doit le reprocher en quel monde qui va mettre structure en place mais sauf que le travail que nous avons réalisé l'exploit que nous avons réalisé et au siècle dernier en 1803 mais le suivi n'a pas été assuré et beaucoup d'accord avec moi ouais ça passait tout de suite après et maintenant ça nous est l'absence d'élite dans ce pays qui pour assurer continuité ça ou l'héritage là parce que chaque génération a un rôle et un travail pour faire ce que l'on recevra un bagage l'on recevra un héritage dans les générations précédentes là rôle par où c'est constituer c'est conforter c'est améliorer l'héritage là pour transmettre lui de manière améliorée avec une valeur ajoutée par la population cabinet pour la par génération cabinet or ce travail il n'est pas fait vraiment. Il n'est pas fait et il n'est pas fait. Non, mais au contraire, c'est crasé, gazé, tout ça, il te joigne. Justement. Donc, il est tellement crasé jusqu'à ce que il mène en 1915. 1915, la leçon n'a pas été encore apprise. Il mène en 1994. Même maintenant. Mais je dis, il faut quand même, quel que soit le jour, il faut saluer. Si je retourne dans Jean Lamé a été crasé en 1915, Jean Lucas en 1994, et Jean Jovenel vient retourner avec lui. C'est vrai, c'est pas Jean ça, c'est pas comme ça, nous-mêmes dans l'association militaire là ici, avec tout militaire qui est conséquent, avec tous les amis, les Haïtiens conséquents, patriotes qui t'ont. Au défunt président, il a eu le courage de le faire parce que pas oublié, non, l'armée. Depuis 1994, nous avons démobilisé l'armée. Ça fait de 1994 à 1917, à 2017, pour combien de temps ça fait. Donc, ça fait presque 23 ans que même parler il n'y a pas de l'eau à un certain moment de la durée, de 1994 jusqu'à dans les années 2005, même parler, il n'y a pas de l'eau parler de l'armée. Même parler. Justement, même parler, militaire pas de parler. Nous-mêmes, c'est parce que, bon, évidemment, vous voyez que nous fleurons nous-mêmes pour nous dire des militaires spéciaux que nous mais nous te prenons responsabilité en demi que nous convaincus de soi dit là qu'on y a là que nous connaît de par l'histoire de ce pays de par la mission même d'a dit cosmique que bah Haïti ou pas capable de la main et c'est une raison qui fait de prendre et mission sous tête nous pour de disons déterrer dans l'histoire cette organisation qui est l'association militaire d'Haïti qui a été créée en 1903 à l'occasion du premier centenaire de l'indépendance par le général président Alexis, et qui a été forcément dissout en 1915. Et puis nous retournons avec l'association. Hein. Et l'association a servi comme ça nous a dit, un outil de propagande pour nous quimber la question de l'armée à flot jusqu'à ce que, après la tentative ratée du président Martelly pour le défait la mer, donc c'est le président Jovenel qui est venu avec l'idée de reconstituer l'armée. Et j'aimerais dire encore, m'a dit que. Et nous rappeler une toute bataille, bon. Toute bataille, quand même. Ça mène pas à. C'est pas comme ça, mais nous rendons le crédit à Jovenel, à président Jovenel, qui remobilise l'armée. Mais il faut dire que de 2017 jusqu'à côté n'a pas allé à Jodia, Anissa, et c'est encore l'autre bataille. Parce que même au niveau national, et on n'a pas allé là toujours, mais il faut nous garder ça tout. Nous pas gagné suffisamment d'élite moun ki gagné ça dans les colonne vertébrale moun ki connaît trois pays monsieur moun et travail ça son travail pour nous commencer faire là au niveau presse ça monsieur parce que bonjour et Adjani bonjour Ferdinand bonjour à tout auditeur auditrice Radio Caraïbes comment situation est agressive et mardi qui était 21 mai 2024 là moi-même avec substitut commissaire gouvernement Niplan, M. Jean-Emmanuel, nous te font coup de pied dans la base la MEA qui sous les organes. Mais il faut me dire sous les organes parce que l'essence est limitrophe avec Grissier. Nous te rencontré à capitaine Fritz Charlotin. Côté nous avons gardé avec qui possibilité, qui manière la MEA lui-même a intervenu par rapport à
problème qui gagne grecier, problème d'insécurité, la prise de commissariat, même si yo reprend, mais problème yo toujours là parce que bandio éparpillé un peu partout dans grecier, dans les Yogan et Rangouab lui-même tout li menacé. Nous t'arrêté avec un pile attention à attendre capitaine qui a expliqué une situation yo même dans base côté yo yé dans les Yogan. Bagay la li extrêmement compliqué pour yo. Mais quelques bagay m'pap ka di qui t'a discuté dans rencontre qui t'a gagné. Capitaine nan fait quoi? Fait senti pour l'armée à ta cap déployer par rapport à problème qui gagne dans Grecia, eh bien faut que tu aies gagné président république là qui ta cap mandé ça. Comme étant donné que nous connaissons un conseil présidentiel qui là, qui gagne monsieur Edgar Leblanc cap dirige conseil là, on pensait monsieur Edgar Leblanc avec conseil yo ta doit prendre disposition ça pour impliquer l'armée d'Haïti dans le problème d'insécurité qui gagne. Même si M. Fritz Charlotte Tedine, l'armée a une mission très clairement définie, qui c'est défendre le territoire et goumer pour touiller. Nous comprenons vitement que l'armée a gagné volonté, mais bon question l'ordre qui pas bail pour permettre eux-mêmes de rentrer dans la bataille. Ça. Parce que, côté eux là, eux-mêmes, ils n'ont pas exempt de insécurité qui gagne, même si yo capitaine nan montré yo gen moyen yo même yo kap be goumen yo kap be empêcher mais bon question l'ordre qui pa bay et jodi a nous penser li important pour monsieur dame conseil présidentiel yo prend toute disposition pour yo impliquer l'armée même si on connaît parallèlement Edgar Leblanc fils comme président conseil là li parler avec docteur Enol Joseph qui c'est ministre défense là. Moi même m'a dit monsieur dame dans conseil yo, si nous pensons gouvernement démissionnaire là, pour aider nous, parce que pour qu'on ait un autre gouvernement, pour aider nous résoudre le problème d'insécurité, qui, depuis sous yo, pas de volonté pour te résoudre, je ne sais pas quoi c'est qu'on y a pour le résoudre, ou bien accompagner, ou bien aider dans résoudre le problème d'insécurité. M'a dit, monsieur dame conseil présidentiel, yo, tout parallèlement, si vous pensez directeur général France LB, pour aider ou dans résoudre problème insécurité qui gagne là, eh bien you foutu. Il faut le plus rapidement possible un autre gouvernement pour adresser ensemble problème yo et ouais dans quelle mesure en attendant l'arrivée de force et multinationale là, comment la police lui-même ta cap croaper empêcher bandi yo continuer prendre territoire et n'étant du président conseil là te dit pas aucun territoire perdu. Eh bien n'a dit président pas illusionné était tout, grand pile territoire qui perdu, gouvernement passé a pas fait aucun rien pour te empêcher territoire ça perdu. Et bien me connais, je dis à ses responsabilités conseil présidentiel là pour récupérer ou restituer ensemble territoire ça qui perdu. La médaille d'Haïti a ligue volonté, ligue capacité, même si pas gain gros moyen, mais monsieur Fritz et Charlotte qui c'est capitaine là et bien lui montrer que yo parlé pour yo porter contribution par yo dans aider résoudre problème insécurité et bien c'est conseil présidentiel là pour qui passer l'ordre avec ministre défense là passer l'ordre avec général et l'armée a et bien pour permettre l'armée à lui-même d'y impliquer dans bataille qui gagne contre insécurité qui menaçait la ville de Léogane parce que dans zone bon yacht. Dans les organes, il y a un pile bandi qui est tranché là. Dans la zone réserve, il y a un pile bandi qui est tranché là. Un peu partout, dans les organes, dans Miragouat, dans Grand Bois, il y a un pile bandi qui est tranché là. Monsieur, dame, bagay là. Soit ça, c'est pour tout le monde. Personne n'a pas épargné de situation ça. Eh bien, monsieur, dame, conseil présidentiel, c'est nous qui l'a. Responsabilité nous permettre le plus rapidement possible bon premier ministre bon gouvernement pour aider ces problèmes pour aider population sortie dans situation d'insécurité la ville depuis un